Invité. C'est fou, hein. Parfois, je ne veux pas dire les choses parce que bah, ça fait prétentieux ou quoi. Ouais. Mais je t'assure que Bill Gates. Il t'a invité. M'a invité. Au Georges V, j'étais à Marrakech, il m'a envoyé un jet privé. Okay. Bill Gates. Fucking Gates. Il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en contact avec lui? Je t'explique. Je n'étais pas en contact avec lui. C'est lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc, il m'appelle. Moi, au début, je pense que c'est une blague, et donc, il m'appelle pas en direct. Il passe par, si tu veux, il est implanté partout, il a des associations partout, en Afrique, il a des groupes, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle, le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. OK. Donc là, maintenant, il veut éliminer le DT polio, il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'a appelé pour ça? Donc, il lui faut une tête de gondole, il lui faut une égérie. Incroyable. Donc, Monsieur Gates m'envoie un jet. Donc, j'arrive au Georges V. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'était un jet de fou, c'était un jet que tu prends toi? Jet de fou, 16 places. Ouais, toi. Non, toi, tu prends ça? Je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. J'arrive, Georges V, boum, on m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel, je le connais. Bah, je dis, mec, FBI, CIA, Men in Black. Tu vois, des mecs vraiment, tu vois, dans Jason Bourne, dans New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils sont morts comme ça. Garbage registration, Kim's LR. Kim's LR. Je dis, ok, je capte l'anglais. Là, j'ai capté, j'ai capté l'anglais. T'es bien. Avec la CIA, j'ai capté. Bref. J'ai compris. La porte, elle s'ouvre. Là, t'es toujours tout seul en ce moment. Là, je suis tout seul. Dès que le mec de la CIA dit Kim's LR, la porte, elle s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé, comment se pose. Charisme! Kawaf. Tu sais qui veut? Une dame à côté, debout, commence, on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté ou pas? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré, comment? J'ai dit, c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule! Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralenti. Vraiment une scène ralentie. Kim's LR. Kim's LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je serre la main, ça s'assoit, tac, machin, etc. Là, tu genre, tout est normal ou tu... Là, je comprends que... Que t'es en train de briller, ouais. Ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de les pas. Tac, j'arrive, bam, 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 Gates, bam, tête de triangle, tac, il arrive. Serre la main, commence à me raconter le projet. En quelle langue? En anglais. Là, tu comprends. Mais hein. Il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, des trucs de... Des informations qui arrivent, là. BBC, tout ça. Non, moi, je suis là, je commence pendant une heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est Gate. Je peux pas le couper. Tu fais semblant de comprendre. Je peux pas le couper, je fais semblant de comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Congo, Congo, Gims. DRC, Gims, Poly, tu vois pas. Cash, tu vois, je comprends. Dollar, t'as capté ou pas? Je comprends Zengue, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille. T'as capté ou pas? Maintenant, toi, que ça s'arrête. Bon, il y a la traductrice à côté, elle traduit un petit peu quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une foulope de monde à... au Congo. Mais c'est sérieux, quand même. Mais c'est sérieux. Mais maintenant, chic, il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça me parle de je sais pas quoi. Dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Mais attends. Assassin! Tu t'y attendais ou pas? Non, je m'attendais pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai vu d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris? Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois pas. Oui, ça suffisait. Des égyptologues, ils m'envoient des menaces de mort. Des égyptologues. Ne dis pas que Ramsès, c'était blanc, c'était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des égyptologues. Tout ça. Donc, là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. L'équipe, franchement. Faut qu'on s'arrête. Je peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à tenter. Non, mais t'es où? Ça veut dire que. Argent? Je peux même pas te dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent. Genre, et c'est ce que je craignais. Je craignais pour ma foi. Je craignais pour mon salut. Dis, est-ce que là, l'oseille va m'acheter au détriment de toute une nation? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans la Range Rover. Et il y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné. Incroyable. Au Congo.
Et comment tu t'es sorti de ce piège? Comment t'as refusé? Franchement, c'est l'aide divin. Non, mais t'as dit quoi? C'est l'aide divin. T'as bien dit un truc à un moment donné. C'est l'aide divin. Bah, j'ai dû refuser, oui. Mais t'as dit quoi les mots? Normalement, je devais être à Seattle, le jet, il était encore là en train de m'attendre. Le moteur est tourné à pou patate à Marrakech. Et genre, il a mal pris ou pas? Écoute, je pense qu'il a mal pris. Il a mal pris, il a mal pris un peu. Un peu? Il a mal pris. Il parle plus là. T'es en embouille avec. En fait, t'es en embouille avec Bill. Gros clash avec Bill. Incroyable. Clash avec Bill. Eh bien, chapeau.